Bonjour tout le monde, très heureux de vous rencontrer une autre fois. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Nous sommes sur la chaîne Comment Info et nous allons continuer de traiter les sujets sur les applications, via les nouvelles applications qui fonctionnent sur le système Android, c'est-à-dire sur les smartphones et les tablettes. Cette fois-ci, nous allons traiter une application que j'ai trouvée très utile et très pratique. Et pour cela, je vous invite de m'accompagner sur le smartphone pour la découvrir. Et alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un jeu de forme, comment dirais-je, pour faire passer le temps. Si vous êtes par exemple dans une salle d'attente ou bien vous êtes sur un moyen de transport, vous voulez faire passer le temps, vous pouvez jouer ce jeu sans même avoir une connexion Internet et sans même installer un jeu sur votre smartphone. Il suffit d'avoir un smartphone comme celui-là. Alors, il faut se diriger maintenant à la barre des notifications haut. Ici, vous avez mode avion, vous devez activer le mode avion. C'est pour interdire aucune connexion de l'extérieur. Maintenant, vous devez se diriger à l'application qui est déjà préinstallée sur votre smartphone qui fonctionne avec le système Android. Alors, c'est le moteur de recherche Google. Tout le monde a cette application installée, c'est par défaut dans sur son smartphone. Et alors, on va y accéder, Google. Maintenant, dans la barre de recherche, vous allez écrire le mot gâteau. Gâteau, celui-là. Très bien. Et comme vous voyez, il nous donne ce message. Le mode avion est activé. Aucun réseau disponible. Essayez de désactiver le mode avion ou d'activer le Wi-Fi pour recevoir une notification lorsque les résultats seront prêts. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire une recherche maintenant sur le moteur de recherche parce qu'il n'y a pas de connexion Internet. Mais nous sommes maintenant en train de jouer, nous voulons jouer, pas de faire une recherche. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout simplement, nous devons cliquer sur cette icône comme celle-ci. Comme ça, on a démarré et on aura ce jeu dont je vous ai parlé au début. Maintenant, pour jouer, il suffit de cliquer ici. Alors, vous devez rester en haut sans toucher les oiseaux qui volent. Vous voyez, vous avez un compteur en haut qui va compter le nombre des oiseaux et des autres éléments. Et ah, malheureusement, il m'a touché. J'ai eu 119 oiseaux et éléments. Vous pouvez jouer. En cas d'échouer, vous pouvez rejouer en cliquant sur cette icône. Et vous pouvez essayer à nouveau d'avoir un nouveau score. Et alors, tout ce que vous devez faire, chaque clic sur l'écran signifie monter plus haut. Comme vous voyez, alors il faut tenter de ne pas toucher les oiseaux qui volent et les nuages, comme vous voyez. Oh, malheureusement, il m'a touché. Et alors, c'était tout, c'était un simple jeu qui se trouve, qui est caché déjà dans le système Android sur votre smartphone, précisément dans l'application, le moteur de recherche Google. Vous pouvez le déchiffrer de la manière dont je vous ai montré et s'amuser de jouer. Alors, un nouveau jeu, une nouvelle information. J'espère vous a donné une information nouvelle. Je vous invite de rester avec nous pour les prochaines vidéos. Vous allez trouver sur notre chaîne une vidéo chaque jour, une nouvelle vidéo chaque jour. N'hésitez pas à le regarder et à partager avec nous votre commentaire ou bien vos commentaires sur ce que nous vous présentons sur cette chaîne chaque jour. Et à bientôt.